À quand remonte votre dernière visite chez le dentiste? Pour un Canadien sur trois, ça fait plus d'un an. Seulement au Québec, près de la moitié n'ont pas d'assurance dentaire. Aller chez le dentiste, avec l'inflation, ça se retrouve souvent au bas de la liste des priorités. Lorsqu'on a un Québécois sur deux qui n'a pas d'accès aux soins dentaires, c'est important de comprendre qu'on a un problème côté des structures. Okay? Mm-hmm. C'est la moitié de la population. Donc, je crois que les solutions sont des solutions plus structurelles que de dire à la personne, OK, tu n'as pas d'argent pour payer l'épicerie, mais il faut consulter. C'est pas raisonnable de demander ça aux gens. Les conséquences se font sentir sur le terrain. Et si rien ne change, ça pourrait avoir un impact sur le réseau de la santé. On va arriver avec des gens, une population moins en santé, avec plus de problèmes. Et côté société, on va arriver à plus de consultations en urgence à l'hôpital. Le gouvernement fédéral prévoit un investissement de 13 milliards de dollars pour les soins dentaires. Pour cette docteure, d'autres solutions complémentaires existent. La possibilité des cliniques à prix modique, comme on a à la Faculté de médecine dentaire à l'Université de Laval, entre autres, dans des cégeps, des programmes d'hygiène, plus de cliniques communautaires. Obtenir une plage horaire pour un rendez-vous peut être un défi, car le secteur est touché depuis des années par une pénurie d'hygiénistes. Tout le monde est en plein emploi. Le taux de chômage pour les hygiénistes dentaires est à zéro. Pour rejoindre la moyenne canadienne, il en manquerait 300. Lorsqu'on a un empêchement, qu'on a un enfant malade ou que nous-mêmes, on est malade, il faut complètement annuler nos patients, changer les rendez-vous. Un rendez-vous qu'on devait voir le patient une fois par année, parfois on le voit après 18 mois, voire même 24 mois. Comme quoi, il n'y a pas que la clientèle qui ressent la pression. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.